Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo concernant la jeunesse africaine. Oui, la jeunesse africaine qui font des choses vraiment pas possibles. Tu connais la situation de leurs parents et qui s'en foutent. Comment les parents souffrent, eux-mêmes voient comment les parents souffrent. Mais tu vois la jeunesse là, ils ont les téléphones que même les papas, mais tu travailles même là, ils n'ont pas ce téléphone là. Oui, souvent ils ont les montres même là, le père même, il peut dire 3 mois de son salaire de son papa. Tu vois, son fils achète la montre pour se promener ça. Le téléphone même qui est dans la main de son enfant, même souvent c'est 4 mois de salaire de son papa. Et il se promène avec ça. Et il dit, c'est lui qui a la moutre, que son papa n'est pas wise. Quand on dit wise, c'est dit son papa, lui, à son temps là, il ne connaissait pas ce qui était bonne chose. Lui, son fils, où il est là, lui connaît ce qui était là. C'est lui qui connaît la valeur. Imaginez-vous, ton père touche 100 000, ou ton père touche 150 000, ou 200 000. Souvent, même si tu es trop, même, bon, on peut dire minimum SMIC seulement là, 50 000. Ton père touche 100 000 francs CFA par mois. Il va payer maison, il va payer manger, la nourriture, s'occuper de vous. Le jour où si quelqu'un tombe malade dans la famille, c'est lui encore le père qui va se découper en 1 000 morceaux. Or, à ce temps, ces jeunes, ces enfants, ils ont des téléphones de 400 000, souvent 500 000, c'est eux qui font leur concurrence. Moi, il y a un tout dernier d'iPhone qui va sortir. Il y a un tout dernier de Samsung qui va sortir. Moi, il doit avoir ça. On te dit 600 000. Tu vois, son enfant s'en va acheter ça. Oh, la mère vend. Elle, c'est une vendeuse. Elle se débrouille. Souvent, même, elle rentrait 2 000 francs par jour. Souvent, même, elle rentrait 1 500 par jour. Mais elle se soucie de ses enfants. Souvent, la famille même se soucie. Les deux parents se soucient de vous. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, chez vous, c'est qui vous passe dans la tête? Comment je vais être à la mode? Souvent, tu vois les vêtements même, les costumes, tout ça là. C'est qui tu cherches les chaînes de pas possible. C'est lui, tu connais, c'est qui on appelle chaîne en or, chaîne en diamant, tout ça là. Or, à ce temps, ce gars ou la personne ou ses enfants dorment au salon. Souvent, même ceux qui dorment au salon, tu y réfléchis comme ça. Vous-même, vous connaissez la situation de vos parents, de votre famille. Mais regardez comment vous vous comportez. Ayez pitié quand même de vos parents. Même si vous faites vos petits boulots, même si vous faites vos affaires, ce qui vous gagne là, s'il vous plaît, ayez pitié d'aider vos parents. On dit, sur cette terre-là, ton Dieu là, c'est ta mère et ton père. Si tu ne les respectes pas, même s'ils sont en difficulté, tu connais vraiment les difficultés qu'ils ont à traverser à cause de vous. À cause de vous, les parents, d'autres parents même peuvent pas acheter eux peuvent pas acheter leurs propres vêtements pour dire qu'ils vont aller s'habiller pour faire malin. Mais à cause de vous, eux c'est leur vie. Non, ça, j'ai mal, j'ai mal. Souvent, mais tu vois d'autres parents même là, même pour, tu vois, même habillé là, il va porter ça 3 jours. Souvent 2 jours. Toi, mais tu es là, tu dis, mais attends, mais vous ne savez pas il a quel problème dans la famille. Comment il se soucie pour ses enfants. Or, c'est ces mêmes enfants-là. Tu vois, dans les mains, ils ont les téléphones de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000. Ils ont les montres en or qui coûtent au moins souvent même à 200 000, 150 000. Mais c'est quoi ça? C'est eux, tu connais la valeur de chaussures. Tu vois, mocassin dans ça là, j'ai payé ça 25 000, j'ai payé ça 30 000. Or, à ce temps, son propre père, sa propre mère, peut même pas prendre 25 000 pour dire, j'aimerais payer vêtements. Pour se mettre à la mode aussi. À cause de vous, les parents même se délaissent. Ça fait pitié. La famille, je vais vous montrer une vidéo. Ça s'est passé, l'événement s'est passé au Cameroun. Où des jeunes élèves sont allés à l'école. À cause de 50 000 francs CFA. À cause de 100 dollars. Je peux dire, à cause de 80 euros. Ils n'ont pas pu payer. Les parents n'ont pas pu payer ça. Or, à ce temps, c'est les mêmes jeunes-là, l'autre dit, lui, il a un téléphone de 150 000.
un iPhone de 150 000. Jusqu'à dans son portefeuille même, il y a plus de 5 000 et quelques, 5 500 dedans. Regardez la montre, la valeur des montres, tout ça là. Vous voyez. Et avec ça, c'est pour accuser le gouvernement pour dire non que oui, c'est le gouvernement qui met en retard nos enfants. Nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce que les parents, ça ne va pas. Oh, les enfants même, regardez ce qui tient dans les mains. La plupart des jeunes qui vont à l'école là-bas, regardez dans les mains ce qui tient dans les mains comme appareil. Regardez si les bras, ce qui tient là, ce qu'on montre, la valeur, et regardez les chaînes. Regardez les styles même, les chaussures que les gars portent. Et tu les vois, à coup de souvent, à coup de 10 000 francs, à coup de 20 000, à coup de 30 000. On vous dit partez à la maison. Et il est content. Et il s'en dit à ses parents, ah, le procès dit non que oui, ou soit l'éducateur dit non, scolarité là n'est pas soldée. Si tu n'es pas soldé, il ne faut pas y faire le coup. Oh, à ce temps, toi, mon téléphone, tu es dans ta main là. Ça peut solder même ton école. Ça peut solder ton école. Ça fait pitié. La famille, voici la vidéo. Et après, elle rentre dans le but du sujet. J'ai mal. J'ai tellement mal. Montez vos mains comme ça. Montez vos mains. On vous a chassé pour la pension. La pension coûte combien dans votre établissement? C'est 50 000 avec les dossiers. 50 000 avec les dossiers. Oui. Voilà. Vous avez chassé la pension de 50 000 francs. Regardez les montres que vous avez. Je suis sûr que même vos profs n'ont pas le chassé. Ils ont les montres en plastique, mais vous avez les montres en or et en argent. Donc vous chassez pour la pension. Ce que vous voulez poser ici au pays, vous allez comprendre. Voilà. On t'a chassé pour la pension. Montrez ça. On t'a chassé pour la pension de 50 000 francs. Ne dis pas, moi, je ne suis pas en train de dire avec toi. Ça, c'est comme ça, c'est quoi? L'iPhone gang. Ah, c'est l'iPhone. L'iPhone quoi? Je connais pas ça. XR. Et ça coûte combien? C'est 170 000. 170 000. Et ton téléphone, c'est 170 000. On te chasse une pension de 50 000 francs, mais ton téléphone, c'est 170 000, non? Oui, là. Ton téléphone de 170 000. Voilà ton portefeuille, le portefeuille d'un élève. Tu fais quelle classe? Terminale, hein. Tu fais terminale. Voilà le portefeuille. Il y a 6 500 dedans. Avec un téléphone de 170 000. Avec un portefeuille de 6 000. Avec la valeur de 6 500 francs. Sans compter la valeur du cuir et la valeur de ta montre. Ta maman, c'est bien sûr que ta maman, c'est une commerçante. Voilà. Elle est commerçante. C'est-à-dire, elle se débrouille. Elle est quelque part en train de transpirer. Ou bien ton papa pour payer ta scolarité. Mais tu as un téléphone qui coûte 175 000 francs entre tes mains. Avec un portefeuille de 6 500 francs. En espèce de dame. Tu es à l'école avec ça, mais on te chasse pour 50 000 francs. Tu rentres. On vous dit le pays, si vous êtes en train de pleurer que le gouvernement. Mais c'est à chacun de faire son choix. C'est à chacun de faire son choix. Si le gouvernement est pourri, ça ne veut pas dire. Selon vous, vous dites tu rentres que le gouvernement est pourri, ça ne veut pas dire que tout le système doit pourrir. Quand tu as un téléphone à la valeur et tu pars à l'école, tu rates le coup parce que tu n'as pas payé la scolarité. C'est à chacun de faire son choix. C'est à chacun de faire son choix. Mais. Donc ce que tu as fait, c'est ton choix. Mais sois sage. Soyez sage. Soyez sage. Ça dépend. Donc, votre avenir dépend de vous. Il n'y a pas le gouvernement qui va venir entrer, toquer la porte de quelqu'un, lui donner un capital ou bien lui donner un boulot. Sans qu'il ne bouge plus. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Hein, et vous avez écouté. Ce gars qui les a arrêtés. Ce gars qui les a arrêtés. C'est pas pour lui, non, il va les arracher. Hein, mais c'est pour les faire comprendre. Et c'est pour faire comprendre au monde entier que nous-mêmes, les Africains, la jeunesse même, là, c'est nous, on est là pour gâcher notre avenir. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le gouvernement seulement. D'autres sont là, on accuse le gouvernement. Oui, on accuse le gouvernement. Mais nous-mêmes, là, nous-mêmes, nos propres frères, sont à la base de ça. Imaginez-vous à coup de 50 000. Toi, tu as un téléphone de 150 000. Tu peux vendre ton téléphone même à 100 000 francs, même à 80 000. Mais si tu as vendu ton téléphone à 100 000, tu payes 50 000. 50 000, tu as resté là. Tu peux payer un Android en attendant. Et tu te concentres sur tes études. C'est ça qu'on appelle des gens que tu veux vraiment développer. Et tu veux réussir dans la vie. Lui-même, il a dit que ce jeune homme l'a dit quoi? Il dit oui, ma maman, c'est une commerçante. Vous ne savez pas, elle vend quoi au juste? Tu vas bien fouiller là. Ce n'est pas pour dire qu'elle vend dans un magasin. Hein. Cette maman-là, elle vend dans un petit truc comme ça. Où est pris Dieu, est vraiment
ou si je peux gagner 1000 francs par jour pour nourrir mes enfants. Pour faire ça, si telle personne tombe malade, je veux m'occuper de mes enfants. Mais à ce temps, j'ai regardé son enfant. Regardez son enfant, ce qui était dans sa main. iPhone XR. Un téléphone que lui-même, il a acheté à 150 000. Et puis, il est fier pour prendre les photos. Allô, c'est tout. Montrer à ses amis que lui, il a un grave téléphone. Mais est-ce que c'est grave téléphone, on mange? Est-ce que c'est grave téléphone, on mange? À cause de vous, les parents ne peuvent pas s'habiller. Les parents ne peuvent pas acheter les habits, mais pour dire ils vont s'habiller pour dire à leurs amis qu'eux aussi, là, ils s'habillent. À cause de vous. Les parents attachent leurs ventes souvent, mais les parents même vont au travail. Manger de midi même, le père dit lui, ne mange pas. Il va manger à la maison matin. C'est ça qui va rester dans son ventre jusqu'en le soir. À cause de vous, les parents mangent une fois par jour. Parce que les gars se soucient de vous. Mais vous, ce n'est pas ça. J'ai tellement mal quand je vois ça. Ça là, ça existe beaucoup même en Afrique ici. Et tu vois les gens, non, tu le vois chaque vendredi soir. Non, quand nous on parle là, on ne peut pas nous donner conseil. Hein. Attendez lundi. Et il prend cet argent, il s'en boit. Tu dors chez tes parents, tu t'en vas boire. Mais s'il ne dort pas chez tes parents, un peu que tu gagnes là. Si tu es prêt pour aider ta famille, faut les aider. Bénédiction qu'ils vont te donner là, ça va te faire grandir encore. Souvent, quand on pose des actes là, vous pensez que oui, la malédiction quitte ailleurs. Non, c'est ce qui toi-même tu fais à tes parents là. C'est ça qui te poursuit. C'est ce que tu fais à les bêtises que tu fais à tes parents là. Ça te poursuit. Souvent, mes protègues des maisons viennent, loyer, pour que les parents me payent, mais c'est un problème. Oh, à ce temps, vous voyez dans le téléphone de son fils, ça peut payer au moins 6 mois même du loyer. J'ai mal même. Comment la jeunesse ne peut pas réfléchir pour dire les 150 000 là, je vais donner à ma mère. Ce qu'elle est en train de faire pour agrandir. Comment est-ce qu'elle est en train de faire? Ou soit, il veut dire à ma mère qu'elle n'a qu'à changer de commerce. Elle va faire telle chose. C'est qui tu vas lui remporter. Nous tous, on va bénéficier. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est pour aller souvent dans maquis. Il n'a qu'à dire telle personne, oui, il aime consommer. Oui, il est bon. Chaque week-end, il est dans maquis. C'est ça qui est votre vie. C'est ça qui est votre vie. Je ne parle pas uniquement des Camerounais, mais je parle uniquement de la jeunesse africaine. Parce que ce qui se passe, c'est que ce jeune homme, ces deux jeunes hommes ont fait là. Ça se trouve aussi en Côte d'Ivoire. Ça se trouve partout ailleurs, en Afrique. Tu vois, la jeunesse dit, moi, mon père n'est pas à la mode. Oh, les temps là, il n'était pas à la mode. Nous, à nos temps là, nous on a la mode. Je dois avoir iPhone Z+Z. Oh. J'ai dû avoir vêtements, ce qui Macron m'importe souvent, mais ce qui le roi 12-12 m'importe pour dire oui, c'est moi aussi à la mode. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Pensez, investis. D'autres me commencent par 150 000. D'autres me commencent par 50 000. D'autres me commencent par 10 000 francs. Même, 100, même 20 000 francs. Et puis demain, on parle de cela. Mais telle personne, ah, d'autres me se disent non, que oui, tu as fait médicament l'argent pour avoir l'argent. Oh, c'est pas ça. Tu as commencé un peu. Mais s'il dit, tu veux te mettre à la mode, oui, tel téléphone est sorti, tel vêtement est sorti, telle montre est sortie. Moi, je veux être à la mode là, mon frère. Les modes là ne finissent jamais. Les modes là finissent jamais dans le placard. On vous a dit non, que oui, iPhone a commencé, c'est comme un iPhone 3. iPhone 3, lui, il est un peu rond comme ça. iPhone 3, après iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4, iPhone 5, 5, 6. Bon, il laisse les RRSSS là. Il laisse ça. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Très bientôt, iPhone 15 va sortir. Ou moi, mais je vous parle à main droite. 15 mai est déjà sorti. Mais puis on est en train de parler de 15. 15 est déjà sorti. Et on apprend encore 2025. On rentre à 2025. Vous allez voir iPhone 18 ou iPhone 20. Réfléchissez. Les blancs là, que fabriquent là. Oh, c'est les mêmes choses. Hein, c'est les mêmes choses. iPhone, image de iPhone 15 et iPhone 14 Pro Max. Image de iPhone 12. C'est les mêmes choses.
C'est des choses, ils vont changer le format, ils vont changer les designs qui sont là. C'est fini. Et vous allez payer ça 600 000, 700 000, souvent 1 million. Or, ce 1 million là, si tu as ça, il faut donner ça à tes parents. Tu dis, papa, moi, j'ai grouillé, j'ai fait mes petites affaires, j'ai eu l'argent. Mais si tu as volé même, parce que les broutages, des trucs là, les fémans là, ça là, c'est du vol. Mais si tu as fait, tu veux arrêter là, tu dis, voici l'argent que j'ai fait, un petit truc, j'ai eu, voici l'argent. S'il vous plaît, on n'a qu'à investir, on n'a qu'à faire quelque chose, tu vas nous remporter la famille. Tu vas voir. Ta mère va bénir ça, ton père va bénir ça, toi-même ta bénédiction encore va marcher là. Tes activités vont prendre. Mais vous êtes là, vous préférez aller acheter des téléphones. Acheter des téléphones, attraper ça. Et faites malin. À ce temps, la famille est en train de pleurer de misère. La famille est en train de pleurer. Ils ont les dettes sur les têtes. Et c'est vous êtes généreux dehors. Voici ça. À l'école, mais il y en a plein. Ceux qui vont à l'école, là, il y en a plein. À cause de souvent, à cause de 100, à cause de 20 000, souvent à cause de 10 000. On renvoie les enfants. Oh, cet enfant-là, c'est qu'il a dans sa mère, là. Ça dépasse même ce qui. Pourquoi on lui a renvoyé, on lui a mis dehors. Mais ça fait mal. Là. C'est quelle honte, ça. C'est quelle méchanceté. Nous, les noms, on ne va pas quitter dans ça. On est là, on accuse les parents, on accuse les sorciers, on accuse tout ça. Là. C'est pas cela. C'est parce que eux, les sorciers, les trucs, eux, les noms, est gâté, c'est pour cela. Même quand tu fais, souvent, mais tu vois quelqu'un en train de. Il est en train de devenir bête, mais il fait des choses, mais ce n'est pas normal. Ils vont mettre la faute sur les sorciers. Oh, c'est lui-même, il est né comme ça. Arrêtez ça quand même. Soyons humbles. Soyons intelligents. L'intelligence, on n'achète pas. Non, l'intelligence, on n'achète pas. C'est ça, on vous dit non, que quand, si vous êtes là comme ça, partez sur les réseaux sociaux, partez sur YouTube pour vous instruire. Ce n'est pas pour dire Facebook où on dit « Gégégé, j'ai fait la comédie et tiari, quelqu'un. » Ce n'est pas ça. Le monde où on est là, oui, tu peux t'épanouir, tu peux te distraire. Mais il faut préparer ton avenir où tu es encore très jeune. Là. Prépare ton avenir. Car tu ne sais pas, tes parents que tu comptes sur, là, ils n'ont qu'à, eux peuvent faire accident en même temps et puis ils vont mourir. Eux peuvent faire accident et puis ils vont rester dedans. Et c'est toi maintenant, tu es livré à toi. Tu vois, c'est là maintenant, tu vas vendre tes téléphones, tu vas vendre ta montre, tu vas vendre tout ce que tu avais. Mais ça va aller où? C'est pour un moment et puis c'est fini. Or, si à bas âge où tes parents sont là et puis tu gagnes un peu, tu fais tes affaires, tu gagnes un peu là. Mon frère, il est temps d'investir. Tu vas aller de l'avant. Ceux qui payaient les téléphones de 400 000, 800 000, 1 million là. Toi, tu prends ton argent, tu investis là. Demain là, tu vas voir. Tu vas voir demain, c'est eux-mêmes encore. Tu vas venir te demander crédit, pardon, faut m'aider, mon frère, pardon. Vos protecteurs de maison veulent me chasser, pardon, faut m'aider. C'est les mêmes, hein, ceux qui payaient les téléphones. Là. Il dit, vous ne connaissez pas les Blancs. Hein. Les Blancs créent. Eux, ils créent pour ceux qui sont riches. C'est nous qui sommes pauvres, là. C'est nous, on veut. Même le riche, même là. Souvent, quand le téléphone sort comme ça, le riche, mais il n'est pas pressé à attraper le téléphone. Il n'est pas pressé à attraper le téléphone. Voici. Modric, un grand joueur de Real, un milieu de Real, où il a pris ballon d'or du monde, là, à ce temps, où la France ont pris, où ils ont joué à la France, là, Coupe du monde, là. Lui, tu vois son téléphone, il avait iPhone 6, iPhone 6 comme ça, iPhone 6 ou iPhone 5, entre iPhone 6 ou iPhone 5. Or, à ce temps-là, on parlait de iPhone X. On parlait de iPhone X. Or, le gars, un grand joueur, il est milliardaire, il peut dire milliardaire. Mais lui, il avait un petit téléphone, iPhone 5 ou iPhone 6 dans sa main. Et puis, l'écran était cassé comme ça, c'était dans sa main. Mais nous les pauvres, là, on veut être à la mode. C'est quel mode, mais tu finis jamais. Mode ne finit jamais. Mes frères et sœurs, mode ne finit jamais. La mode, là, ça finit jamais. Tu payes ça, là, habit, là. Demain, ils vont créer l'autre encore. Après, demain, ils vont créer. Ça, là, c'est périmé. On te dit, ça, c'est une étoile. Tu jettes. Non, où ils ont mis deux étoiles, là, je vais payer. Tu jettes. L'autre, mais on ne met plus étoile. On met coup de poing. Tu vas payer.
parce que tu veux être à la mode. C'est mode, mode, mode là qui va vous tuer. C'est mode là qui a fait que vous ne pouvez pas arriver loin dans les études. Parce que vous préférez être à la mode. Ne pas investir à faire quelque chose. C'est malheureux ça. C'est malheureux. Arrêtez de compter sur les parents. Arrêtez même de compter sur vos parents. Parce qu'aujourd'hui, si votre parent meurt là, même s'ils avaient un peu comme héritage, vous allez voir. Vous allez voir. Mon oncle est venu prendre l'héritage de mon père. Mon oncle est venu prendre mon héritage. Ma tante est venue prendre, même mon grand-père, ma grand-mère est venue prendre l'héritage. C'est là maintenant que tu vas voir les vrais visages. Ceux qui t'aimaient avant, où tes parents vivaient là. Sako, tes parents, les gars, étaient généreux envers toi. Mais ils n'ont qu'à mourir. Tes parents n'ont qu'à mourir. Là, tu vas comprendre que ceux qui montraient les dents blanches là, c'est plus dents blanches, ça a devenu noir. Et puis quand tu es méchamment comme ça, tout ce que tes parents ont fait comme négatif là, c'est là ils vont te faire rappeler. Tu vois? Quand ton papa était en vie, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a, il est méchant. Or, quand ton père vivait là, tellement il avait un peu là, les gars t'ont pas dit la vérité. Comment il était. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, si vous avez un peu, si vous voyez que vos parents même n'ont pas les moyens pour faire quelque chose, pour payer vos études là, vous aussi, un peu que vous gagnez là, vous pouvez aider au moins 2 ans. Même 2, il peut dire, 2 ans, même 3, même 5 ans même. Tu dis, papa, c'est moi, il prend les charges de mes études. Et toi-même, tu payes tes études et tu te mets à fond, tu travailles. Tu envoies les résultats là, tu le jures. Tes parents même vont te respecter comme ça pour dire, oui, mon fils là, vraiment, il veut quelque chose dans sa vie. Mais vous êtes là. Moi, il m'en fout. C'est mon père qui va payer. Et à ce temps, tu vois les jeunes. Tes parents payent tes études et c'est toi encore qui fumes la drogue. Vous voyez des choses comme ça. Et vraiment. Tu fumes la drogue. Tu fais des bêtises. Tu fais des conneries. Tu es un agresseur. La nuit où c'est quoi ça? C'est quelle image vous donnez à votre famille? C'est quelle image vous donnez à vos familles? Les parents, vraiment, je vous respecte beaucoup. Nous qui avons les enfants, vraiment, c'est dur. C'est très dur. Mais on tient le bout. On tient le bout, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Mais on va jongler comme ça. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui fait tout dans notre vie. La famille, j'aimerais vous laisser, voilà, parce que je ne peux pas être long dans cette vidéo. Je sais ce que j'ai dit, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. C'est pour vous dire la vérité. Même si vous gagnez un peu, si vous faites un business, ce que vous gagnez là, ayez pitié d'aider vos parents. Les appareils là, tu peux pas être à la mode à 100%. Si tu veux être à la mode, soit tes parents sont riches jusqu'à ce mec qui veut te mettre à la mode. Sinon, toi-même, faut pas, tu vas décider de dire je vais être à la mode. Faut pas faire ça. Parce que quand il décide de dire tu veux être à la mode là, mon frère, faut penser d'où toi tu viens. Mais si tu ne penses pas d'où toi tu viens, pense d'où ta famille, où tes parents, tes deux parents sont quittés. Quand même. Pensons un peu à nos parents. Les gars nous ont mis à l'école, même si on n'est pas là à l'école, mais les gars nous ont mis au monde quand même. Souvent, quand vous voyez un jeune meurt comme ça, et ses parents sont en vie là, ses parents pleurent parce que quoi? Il dit, cet enfant là, c'est lui, tu pourrais m'enterrer. Et oh, c'est lui, j'enterre. Cette douleur là, c'est ça qui l'a fait. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous préférez aller gagner de l'argent. Je ne sais pas comment vous gagnez votre argent pour aller dilapider. Ne même pas penser à votre parent, à votre famille. Et tu finis de dilapider cet argent-là. Et tu viens à la maison et puis tu dis, ah, oh, Dieu, là, même maman n'a pas préparé même. Ah, c'est chaud, hein, j'ai faim. Ah, maman, il faut faire vite, moi, manger. Hein, j'ai faim. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Et avec ça, vous cherchez la bénédiction. C'est quelle bénédiction vous voulez? Quand tu sais que tes parents sont dans les besoins et tu as un peu, il faut faire ce geste. Ça va te grandir. Mais c'est le merci que tes parents vont te faire là. Mon frère, c'est mieux que merci de dehors. C'est mieux que merci de dehors. Ceux qui te rendent service dehors là-bas là. Demain là, si c'est gâté, si toi, ils vont pas. Ils sont pas. Là, on n'est même pas. Nous, si tout l'homme noir, on n'est pas reconnaissant. On n'est même pas reconnaissant dans notre vie. S'il vous plaît, si vous gagnez un peu, il est temps d'aider nos parents. Si tu vois que tes parents ont payé tes études jusqu'à ça ne va pas là, toi-même si tu as un peu là, il faut les aider. Il faut les aider quand même. À cause de vous, les parents, mais souvent les gars mangent une fois. Ils mangent matin, recouché, ou manger, couché, fini de manger là, ils s'en vont au travail, ils ne mangent plus là-bas. Il ne mange plus là-bas. Souvent même, là, ses collègues lui demandent, « Ah, toi, tu ne manges pas à midi. » Non, il a mis gêne. Il a mis gêne, ça a dû te couper. Oh, c'est faux. Il est obligé d'attacher son ventre. Faut pas, ils vont dire, « Mais toi, tu ne manges pas. Hein. » Oh, il est obligé de mentir. J'ai mis gêne ou j'ai mis carême. Bah, ici, il vient à la maison, il va manger, il va dormir matin, il va manger encore pour aller à cause de vous. Et vous avez cet argent, vous prenez ça pour faire faro, pour faire malin, pour acheter les appareils, pour faire ceci. J'ai tellement mal et j'ai honte. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et vous dire à très bientôt. Ciao.